tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Alors, est-ce que ça va bien? Oui. Et les petits copains? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quoi? Mais dis-moi, mais tu es déguisée déjà? Oui. Ah oui, tu es déguisée en quoi? En Anna. Eh oui, aussi Anna s'est déguisée en Anna parce qu'elle est impatiente de se costumer pour Halloween. Eh oui, bah c'est bientôt Halloween. Alors justement, aujourd'hui, on va faire une recette sur Halloween. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits fantômes. Eh oui, des petits fantômes qui se... mange. Eh oui, qui se pas mange. Pas des vrais. Eh non, pas des vrais, parce qu'on va les manger les vrais, ils ne mangent pas. Hein. Oh non, non. Hein. Dégoûtant. Bah. Pour cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut, Océa? Il nous faut du blanc d'œuf. Alors, 4 blancs d'œufs. Ensuite, sucre. Oui, 150 grammes. Ensuite, de sucre. De 55 grammes de chocolat. Ouais, alors pas beaucoup de chocolat, un petit peu, voilà, voilà, donc nous on a pris du chocolat au lait, et ensuite, une goutte de citron, et oui, et une goutte de citron, donc vous prenez soit du jus de citron, nous on n'avait pas de vrai citron frais, donc on a pris du citron en bouteille, mais c'est pareil, alors ça sert à quoi le citron? À avoir des fantômes bien blancs, oui, voilà, oui, parce que ça va être des des meringues. Oui. Et oui. Et ensuite, comme ma taille, nous avons besoin de quoi? De un fouet. Oui, un fouet à utiliser avec les grands. Ensuite, une paire de ciseaux. Et oui, attention aussi à utiliser avec qui? Avec les grands. Oui, parce que ça coupe. Et oui. Ensuite, nous avons besoin d'une plaque recouverte d'un film, enfin d'une plaque d'un papier cuisson, pardon. Et après, on a besoin de ça ou de ça. Alors ça, c'est une... Alors, vous avez besoin d'une poche à douille. Ou alors, nous, on a pris un sac de congélation, on fera un trou au bout. Et on l'a mis dans un petit récipient un peu long pour que ce soit plus facile à remplir. Voilà, tout ce qu'on a besoin. Alors, on la commence cette recette, Océane? Oui. Coucou, ça y est, je suis là. Et oui, parce que je vais aider Océane, elle est trop petite, pour utiliser le fouet. Le fouet, c'est très dangereux. Et un peu les ciseaux aussi. Donc, faites cette recette avec une grande personne si vous utilisez un fouet électrique. Donc, on la commence? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Alors, on va laisser le chocolat de côté, comme on aura besoin pour la fin. Pour faire les petits yeux. On va mettre une ou deux gouttes de citron dans le blanc d'œuf. Eh oui! Bravo, Océane! Ah! Alors, ça sert à quoi alors? On répète? Ça sert à quoi le citron dans le blanc d'œuf? Ça sert à faire plein tout, à faire tout blanc. Eh oui, avoir des fantômes bien blancs. Donc, on met oui, vraiment deux gouttes de citron. Oui. On va rajouter, tac, voilà. Ouh là là! Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre le fouet avec maman, bien entendu. Hop, et on va commencer à fouetter. Ça sert au citron. Alors, on le met dedans. Hop. Et on fouette. Vas-y. Pour monter les blancs en neige. Allez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la moitié du sucre dedans. Vas-y. La moitié. Allez, vas-y. Attends, la moitié. Je vais faire toute seule. Oui, vas-y. La moitié. C'est important de mettre la moitié. Hein. Faut pas tout mettre d'un coup. Parce que sinon, ça va être difficile de monter les blancs en neige. Ah, vas-y, encore. Encore un peu? Encore un peu? Voilà, c'est bon. Hop, voilà, donc on a mis la moitié. Et là, on continue de fouetter. Allez. On dirait de la neige, les petits copains. On dirait de la neige. On dirait de la neige? Alors, quand on est à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute quoi? Ben, l'autre moitié de sucre. Hop, allez, vas-y, mets dedans. Tout. Voilà, on a tout mis le sucre et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On remue. On remue.
dents sont bien fermes. Donc on peut voir avec la technique du bec. Donc voilà, donc si ça fait un bec, hop, quand on enlève. Voilà, ça fait claque. Et bien, c'est que c'est bon. Donc là, ils sont bien au-dessus de la tête. Non. En au-dessus de la tête. Non. Et voilà, donc là, on va prendre une cuillère. On va retourner ça. Hop. Je vais faire toute seule. Tu vas faire toute seule? Mais comment ça tombe pas? Hop. Alors là, on va tout faire tomber à l'intérieur. Mais moi, je vais faire ça. Allez, bon, c'est Anne fait. Voilà, on va tout faire tomber au milieu. Et après... Vous verrez ce qu'on va faire. Ça ne veut pas tomber. Ça ne veut pas tomber. Regarde, si tu racles le plus haut. Voilà, regarde. Il faut bien mettre... Oh, il y en a un beurre. C'est pas grave. Oh, ça déborde. Ça déborde. Ah, ça va tomber, tu vois. On va en mettre partout, peut-être. Hop, je crois que c'est bon, là. Je sais pas si ça va tout rentrer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va lever ça. Hop. Et on va le refermer. Et on va le refermer. Donc là, les enfants, faites-vous aider du papa, de la maman. Et après, on va faire un trou. Donc là, on va tourner. Voilà. Et après, on va faire un trou. Et après, on va faire un trou avec quoi? Avec les ciseaux. Eh oui. Donc, on va tout pousser. T'es prête? Tu coupes? Allez. Mets pas tes doigts. Attention aux doigts, les enfants. Donc là, on va faire un trou. Ah, lâche, lâche. Waouh! Maman, elle a appuyé. Bah ouais, maman, elle a appuyé. Donc là, on va faire un petit. On va monter et là, on s'arrête. Et là. Hop. Bon, je sais pas si ça ressemble trop à quelque chose, mon fantôme, mais bon. Ils seront bons, j'espère. On va faire une boule commande, hop, on s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On appuie là, hop. Ah, loup. Et voilà. Aussi. Hop. Ouh. Donc là, hop. Allez, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant qu'ils sont prêts, nos petits fantômes, on va les mettre dans un four. Réchauffé à 90 degrés pendant 90 secondes. Non, 90 minutes. Et on revient tout de suite après. Et voilà, nos petits fantômes sont sortis du four. Ça ressemble à ça. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur faire les yeux, la bouche. Et oui, on a pris le chocolat qu'on a fait fondre au bain-marie. Et maintenant, à l'aide de, bon, nous d'une petite épée, mais vous d'un petit cure-dent, quelque chose de pointu, on va dessiner des yeux, une bouche. Assez joli fantôme, regarde ça. On prend dans les mains. Et hop, il y a un œil. Donc là. Ça colle, ah, ça colle encore un peu, voilà. Et voilà ce que ça donne, un joli petit fantôme. Donc on va tous les faire et après on vous montre le résultat. Et voilà, c'est terminé. Regardez un peu le travail, comme c'est joli. Ah, wow, des jolis fantômes pour Halloween. Ils sont beaux, hein. Ça, elle veut les manger déjà, hein. J'ai laissé un. Ah, oh, bah non, bah non. Bah, tu le mangeras alors, hein. Alors, les amis, cette vidéo est déjà terminée. Alors, dites-nous dans les commentaires quel a été votre moment préféré, si vous avez déjà fait cette recette ou si vous avez d'autres recettes pour Halloween. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Un petit commentaire. Oui, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis.